Aujourd'hui, intéressons-nous au mythe de l'Atlantide, l'une des histoires les plus fascinantes de tous les temps. La légende de cette société antique disparue captive depuis des siècles des générations entières de penseurs et d'explorateurs. Pourtant, nul n'a jamais retrouvé ce continent englouti. L'Atlantide est-elle seulement un mythe ou a-t-elle réellement existé? Je me lance dans une expédition tout à fait inédite qui pourrait apporter une réponse finale à ce mystère. Prochaine escale, l'Atlantide. Nous allons faire appel aux toutes dernières technologies d'études sous-marines pour examiner le fond des océans dans le cadre de la plus grande expédition jamais organisée. Vous avez déjà utilisé ce matériel pour retrouver des civilisations perdues? Je vais également enquêter sur des théories parallèles qui pourront peut-être m'indiquer l'emplacement et l'époque de l'Atlantide. Je vais examiner des éléments géologiques témoignant d'un violent cataclysme qui aurait ébranlé le monde antique. Un tel remous pourrait se produire très rapidement. Je vais plonger à la découverte de mystérieux vestiges engloutis qui n'avaient jamais été filmés auparavant. Et enfin, je vais partir en haute mer, à la frontière d'une zone de guerre. C'est pas vrai. C'est sûr que notre position actuelle éveille la curiosité, il y a des intérêts militaires ici. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ne le dites à personne, on l'a peut-être trouvé. Depuis des millénaires, la légende de l'Atlantide fait parler d'elle. Une histoire selon laquelle une civilisation antique aurait été détruite par un terrible déluge. Et depuis des milliers d'années, l'emplacement de ce monde englouti demeure un mystère. Mais qui sait? Peut-être pas pour longtemps. Je suis Josh Bernstein. Je me trouve actuellement sur les bords de la Méditerranée pour prendre part à une expédition qui pourrait bien s'avérer historique. Et je vous invite à m'accompagner. Rejoignez-moi pour une enquête spéciale et inédite à la recherche de la civilisation perdue de l'Atlantide. Notre expédition unique à la recherche de la vérité débute sur les rives de la mer Méditerranée, dans le port de Limassol, sur l'île de Chypre. C'est la mission scientifique la plus poussée qui ait jamais été organisée pour tenter de retrouver l'Atlantide. Nous avons fait appel à des technologies de pointe pour partir examiner ce qu'un groupe d'explorateurs considère comme le lieu de repos éternel de l'Atlantide. Ils sont en effet convaincus que la légende est vraie et qu'ils ont réussi à localiser l'ancienne civilisation engloutie par les flots. Mais nous reviendrons à l'expédition plus tard. Il existe un certain nombre de théories pouvant soulever la vérité qui se cache derrière la légende. Et ce sont ces théories que j'ai étudiées dans ma quête pour tenter de retrouver les traces de la véritable Atlantide. La première référence écrite mentionnant l'Atlantide est consignée dans les dialogues de Platon, le philosophe grec, qui vécut au 4e siècle avant notre ère. Il y décrit une grande civilisation qui aurait existé plus de 9000 ans auparavant. Il s'agissait d'un empire puissant, une sorte d'utopie dont la patrie était un paradis luxueux. Sa capitale était une majestueuse métropole très sophistiquée, bâtie en enceinte circulaire à travers une vaste plaine entourée d'un réseau de canaux très élaborés. Platon écrivit que le peuple de l'Atlantide descendait des dieux, qu'il n'avait que des pensées vraies et grandes en tout point. Il se comportait avec douceur et sagesse face à tous les hasards de la vie. Mais d'après Platon, le peuple de l'Atlantide devint trop fier de sa grandeur. Et son arrogance provoqua la colère des dieux. Une série de violents tremblements de terre ainsi qu'un terrible déluge frappa la population de l'île. En l'espace d'un jour et d'une nuit, l'Atlantide disparut à tout jamais, engloutie dans les profondeurs de la mer. Personne n'accorda un grand intérêt à l'histoire de l'Atlantide durant les 2300 ans qui suivirent. Mais dans les années 30, un voyant américain appelé Edgar Cayce ressuscita le mythe de l'Atlantide dans l'imagination populaire. J'ai entendu parler de Cayce pour la première fois en 2004 en Égypte, lors de ma rencontre avec John Van Oken de l'Association pour la Recherche et la Vérité.
John prétend que c'est le peuple de l'Atlantide qui a bâti les grandes pyramides. Cela fait plus de 20 ans qu'il étudie les écrits de Casey et qu'il est à la recherche de l'Atlantide. Vous pouvez me dire en un mot qui a construit ces pyramides ? Eh bien, Edgar Casey situe la construction de cette pyramide, ainsi que de toutes celles qui existent sur Terre, à une période très ancienne, qui remonte à l'Atlantide et aux grands mythes et légendes des peuples antiques très avancés qui sont rattachés à cette civilisation. Casey affirmait que les pyramides et le Sphinx étaient l'œuvre de quelques survivants qui auraient échappé à la destruction de l'Atlantide. En 1940, il prédit que les vestiges d'une partie de l'Atlantide seraient découvertes au large des Bahamas, en 1968 ou 1969. La prophétie de Casey sembla avérée lorsqu'en 1968, une étrange structure rocheuse fut découverte au large de l'île de Bimini. Les blocs de pierre étaient carrés et alignés de manière quasi parfaite. On aurait dit qu'ils avaient été taillés puis posés là, formant ainsi une sorte de route sous-marine. Plus tard, des pierres plates furent retrouvées. Elles étaient transpercées de part en part et ressemblaient à s'y méprendre aux encres antiques découvertes en Méditerranée. Nombreux sont ceux qui croient que la prétendue route de Bimini faisait partie intégrante de l'Atlantide. C'est ici que je vais démarrer mes recherches. Les Bahamas semblent bien éloignées de la Grèce, la patrie de Platon. Pourtant, elles concordent en tout point avec la description qu'il fit de l'Atlantide. Platon écrivit que « les navigateurs passaient de là sur les autres îles et de celles-ci sur le continent qui borde cette mer vraiment digne de ce nom ». Alors je me suis rendu sur le continent en question, aux Bahamas, où j'ai de nouveau rendez-vous avec John Van Auken. Ravi de vous revoir. Moi de même. Vous le tenez ? Montez à bord. Malheureusement, mon voyage aux Bahamas a eu lieu pendant la saison des ouragans. Nous avons dû rester à l'affût des gros nuages noirs toute la journée. Pendant que nous tentions d'esquiver les gouttes de pluie, John m'expliqua plus en détail la thèse de Casey selon laquelle les Bahamas auraient pu faire partie de l'Atlantide. L'Atlantide était une immense nation composée d'îles. Ainsi, les îles au large du détroit de Gibraltar, les Açores et toutes celles qui se trouvent dans l'océan, jusque dans cette zone de l'archipel des Caraïbes, constituaient l'Atlantide. C'était un continent gigantesque. Il y aurait eu un continent à la place de ce qui est aujourd'hui l'océan Atlantique. Il existe une croyance selon laquelle une crête rocheuse émergeait en plein milieu de l'Atlantique. Les Açores en seraient désormais le seul vestige. Cette zone-là aurait donc été l'extrême partie sud-ouest de l'Atlantide ? Exactement. Et elle s'étirait à travers l'océan Atlantique jusqu'au détroit de Gibraltar ? Oui, tout à fait. Je vois. La route de Bimini, plus communément appelée Bimini Road, s'étend sur près de 800 mètres et elle est parfaitement alignée du nord au sud. John m'emmène plonger du côté de l'axe ouest, celui qui présente une courbe distincte à 90 degrés. Voici Christa, elle connaît tout. John ne plonge pas. Aussi, son amie Christa Brown sera mon guide. Vous allez m'accompagner ? Bien sûr. Parfait. D'abord, on va plonger à l'arrière du bateau, commencer par explorer la zone autour de notre point d'ancrage, puis on ira du nord au sud. D'accord. John me confie un appareil photo de plongée afin de pouvoir prendre des clichés sous-marins. On les regardera ensemble ? Tout à fait. Bimini Road ressemble étonnamment à une structure qui aurait été créée par l'homme. Les blocs de pierre sont très réguliers. On dirait de gigantesques pavés. Je remarque les coins en angle droit et la manière dont les blocs de pierre semblent former une ligne parfaite, comme s'ils avaient été placés là. Je me demande d'ailleurs comment. Christa me montre une des pierres qui présente un trou au centre. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une ancre. C'est très intéressant, mais mon but est de déterminer si cette preuve est suffisamment tangible pour affirmer que la structure est bien l'œuvre de l'homme. De retour sur le bateau, je regarde avec John les photos que j'ai prises sous l'eau. Ça forme comme un tracé en ligne droite, ici. En effet. Mais je cherchais avant tout un élément indiquant qu'il pourrait s'agir d'un ouvrage façonné par l'homme. Oui. Et qui tendrait à montrer que l'alignement des pierres serait d'origine humaine. Cette structure aurait donc été créée à la surface. Oui, à la surface. Avant que l'Atlantide ne soit ensevelie sous les flots. Cette formation est postérieure à l'existence de l'Atlantide. Elle a dû être érigée sur les ruines du monde disparu. Dans ce cas, Bimini Road ainsi que les points d'ancrage que l'on trouve ici ne font pas partie de l'Atlantide.
bien qu'ils y soient liés d'une certaine manière. Il faut chercher plus profond. Bimini Road fait-elle donc partie de l'Atlantide, comme l'avait prophétisé Edgar Cayce? John estime aujourd'hui que cette théorie aurait besoin d'être reconsidérée. Il reste néanmoins convaincu que cette structure est d'origine humaine et que les ruines de l'Atlantide se trouvent ici, dans les profondeurs océanes des Bahamas. Il reste seulement à les découvrir. Après ma séance de plongée à la découverte de Bimini Road, j'ai rendez-vous avec le professeur Bill Keegan de l'Université de Floride. Il propose de me montrer une autre formation rocheuse semblable à Bimini Road, sauf que celle-ci se trouve sur la plage. Allons voir. Si on commençait par discuter de la formation de Bimini Road. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire des côtés réguliers, des coupes angulaires dans les blocs de pierre, des trous dans les ancres? Tout d'abord, il faut partir du principe que la formation rocheuse est d'origine naturelle. Si l'on observe le sable ici, on remarque qu'il est composé de calcaire oolithique, mélangé à des petits fragments de coquillages. C'est ce qui constitue une sorte de ciment compressé en couches rocheuses. La surface régulière de ces blocs de pierre est due à l'action répétée des vagues, qui lui confère cette apparence lisse et quasiment uniforme. Mais qu'en est-il de la manière dont ces blocs sont taillés et de leur création, à savoir les lignes qui forment pratiquement des angles droits? Ce sont des fissures naturelles qui résultent de l'érosion rocheuse. En d'autres termes, quand la roche se forme, elle se compresse et elle rétrécit, créant ainsi ces fissures qui donnent l'illusion qu'on aurait disposé les blocs de pierre pour créer un chemin pavé. Qu'en est-il des ancres et des trous? En ce qui concerne les ancres, on a ici affaire à de la pierre très poreuse. Et ce que vous voyez là est sûrement un trou creusé à la base par un oursin ou un crabe. Ensuite, un rocher plus dur ou un gros coquillage va s'y loger. Et le remous des vagues va créer un mouvement circulaire continu qui, au fur et à mesure, va élargir ces trous. À la longue, ça peut ressembler à des ancres. Oui, il existe donc une explication naturelle à ce que certains considèrent comme un phénomène d'origine humaine. Tout à fait. Bimini Road ne serait donc pas l'œuvre de l'homme. Les explications de Bill Keegan en ce sens sont très convaincantes. Mais qu'en est-il de la théorie de John Van Auken concernant des vestiges de l'Atlantide qui n'ont toujours pas été découverts? Direction la jungle. Pour répondre à cette question, le professeur Keegan me conduit dans la jungle située à proximité du rivage, afin de procéder à des fouilles sur son propre site de recherche. Nous nous rendons sur un site Lucaille. C'était le nom des Indiens qui peuplaient cette région à l'époque de Christophe Colomb. Les Lucailles étaient les premiers habitants des Bahamas. Hélas, les signes de leur présence en ces lieux ne remontent pas au-delà du 8e siècle, une période bien trop éloignée de celle de l'Atlantide pour y être apparentée. Montrez-moi où je dois creuser. Très bien. Toutefois, Bill Keegan affirme que nous pouvons mettre à jour des éléments sur la théorie de l'Atlantide en creusant ici. Nous devrions trouver des coquilles de mollusques qui constituaient la nourriture, ainsi que des débris de récipients en céramique. Mais nous ne sommes pas seulement en quête d'objets anciens ayant appartenu à la civilisation Lucaille. Ce que nous recherchons, ce sont avant tout des fragments de roches. La datation au carbone 14 pourrait nous fournir un indice de taille, l'âge des Bahamas. Si l'archipel marque l'emplacement de l'Atlantide, il faudrait que ces îles aient au moins 12 000 ans. C'est bien ce qu'on recherche. Oui, ce sont ces pierres, les mêmes qu'on a observées sur la plage tout à l'heure. Les Indiens les utilisaient dans leur foyer pour cuire les aliments. Et on en trouve généralement une grande quantité sur les sites des Indiens Lucaille. Ce minéral est du carbonate de calcium. Il contient du carbone, ce qui va nous permettre d'effectuer une datation au radiocarbone de cette pierre. J'ignorais qu'on pouvait dater les pierres ainsi. D'ordinaire, ce n'est pas possible. Mais le calcaire recèle de nombreux éléments organiques, tels que des petits fragments de coquillages ou des dérivés d'algues, qui contiennent suffisamment de carbone pour pouvoir être analysés, puis datés grâce à cette méthode. Parfait. Mettons-les dans les sachets et apportons-les au laboratoire. Très bien. Dans un instant, une visite au laboratoire pour une datation au radiocarbone va déterminer si, oui ou non, nous avons une chance de retrouver des vestiges de l'Atlantide aux Bahamas. Puis je me rends en mer Méditerranée afin de préparer notre grande expédition. J'enquête sur l'histoire légendaire de l'Atlantide. Je démarre mes recherches en suivant la piste d'Edgar Cayce, le célèbre voyant américain qui m'a mené au Bimini Road, dans l'archipel des Bahamas. Les archéologues affirment que les premières populations des Bahamas remontent au 8e siècle, bien après l'époque de l'Atlantide de Platon.
Pour apporter une réponse scientifique à ce débat, j'ai quitté les Bahamas pour me rendre à Miami, en Floride, chez Beta Analytics. Il s'agit du plus grand laboratoire professionnel de datation radiocarbone du monde. Sur place, je retrouve Bill Keegan avec les pierres que nous avons exhumées de l'ancien foyer du site indien Lukai. Bill Keegan m'explique qu'une datation au carbone 14 nous permettra d'en savoir plus sur l'histoire géologique de l'archipel et de déterminer si, oui ou non, une civilisation aussi ancienne que celle de l'Atlantide a vécu dans les Bahamas. Comment ça va, Darden ? Ravi de vous voir. Bonjour, je suis Josh. Darden Hood est le président de Beta Analytics. Mettez ces lunettes de protection. Nous sommes un laboratoire chimique qui utilise des systèmes d'aspiration sous vide. Tout d'abord, nous remettons à Darden Hood nos échantillons de pierres provenant du foyer. La première étape ? Il se peut que la surface de la pierre soit imprégnée d'un carbone d'origine plus récente. Aussi, on va utiliser de l'acide hydrochlorique pour attaquer les couches supérieures contaminées. Si on laisse agir, l'acide continuera d'attaquer la roche jusqu'à la dissoudre complètement. L'étape suivante consiste à récupérer nos échantillons et à les concasser. On aspire l'air qui se trouve dans le récipient et on rajoute de l'acide. Le gaz produit par cette réaction chimique est le CO2. Il contient le carbone dont nous avons besoin. On est en train de recueillir le gaz. Donc ce qui était de l'air puis du vide est maintenant chargé de CO2 ? Exact. Comment allez-vous transférer le gaz là où vous allez l'analyser ? Grâce à une technique très intéressante appelée le pompage cryogénique. Le pompage cryogénique est une méthode qui permet de transférer notre carbone d'un endroit à l'autre. Le nitrogène liquide, à une température de moins 196 degrés, solidifie et congèle le carbone. Le gaz carbonique qui se trouvait là a été compressé, congelé et réduit à ce petit volume. Et une fois décongelé, il sera transféré là-bas. Excellent. Un peu d'eau chaude pour le décongeler et il retourne à l'état gazeux. On ouvre ce robinet d'arrêt et maintenant on possède 5 litres d'un dioxyde de carbone très spécifique dans ce récipient. Oui. Il ne contient que le carbone de vos échantillons. Du CO2 des Bahamas. Excellent. C'est maintenant que les choses se compliquent vraiment. Pour qu'on puisse évaluer son âge, le carbone doit être liquéfié. Tout d'abord, Darden le transforme en carbure de lithium. L'opération dure en général 15 à 20 minutes. Comme dans les émissions de cuisine. D'accord. Alors, l'opération est terminée. Ensuite, il le transforme en acétylène. Puis, et c'est la dernière étape du processus, en benzène, qui est une forme liquide de carbone. C'est de la roche liquide ? Oui. Cette éprouvette ne contient quasiment plus que le carbone issu de mon fragment de roche sous forme liquide. Cette méthode a été mise au point dans les années 60 et nous l'utilisons depuis. Pour dater notre pierre, nous devons mesurer un type de carbone spécifique, le carbone 14 radioactif. Pour ce faire, l'échantillon va être placé dans un compteur à scintillation liquide. Puis, nous n'avons plus qu'à attendre nos résultats. Il en ressort directement cette feuille. Alors, quelle date nous avons ? 14 920 ans, plus ou moins 100 BP. Before present, qui veut dire avant le présent. Soit environ 15 000 ans. Donc cette pierre date clairement de l'époque de l'Atlantide. La pierre que nous avons exhumée remonte à l'époque de l'Atlantide. Cela signifie-t-il que nous avons trouvé une preuve concrète permettant de soutenir la théorie de Casey ? À vrai dire, non. D'un point de vue archéologique, c'est exactement le contraire. Bill Keegan m'explique pourquoi. La datation de la roche nous indique seulement quand elle a été formée. Elle ne nous livre aucun élément sur les populations qui auraient vécu à cette époque et si elles ont ou non utilisé cette pierre. Ce qui soulève une autre question, car l'Atlantide est un sujet intéressant qui mérite une attention particulière d'un point de vue scientifique. Or, on n'a pas trouvé sur la terre ferme d'autres preuves de l'existence de l'Atlantide. L'argument de Bill Keegan renvoie au principe de base de l'archéologie. D'autres éléments datant de la même époque auraient dû se trouver au même endroit. Si des pierres remontant à l'époque de l'Atlantide ont été découvertes sur la terre ferme, on aurait dû également y trouver des objets relatifs à cette civilisation, pour peu qu'ils aient existé à cet endroit. Et jusqu'à maintenant, on n'a encore rien trouvé dans l'archipel des Bahamas qui puisse être apparenté à l'Atlantide. Il semblerait que la théorie de l'Atlantide se soit noyée dans les eaux des Bahamas. Alors, j'ai décidé de retourner directement à la source, à Athènes.
Athènes était la ville d'origine de Platon et le lieu où il fondit l'Académie, son école de philosophie, considérée comme le modèle même de l'université moderne. Je veux découvrir s'il existe des preuves éventuelles de l'Atlantide et s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. J'ai rendez-vous avec Anthony Kontaratos, un spécialiste des écrits de Platon au sujet de l'Atlantide. Ravi de vous rencontrer en personne. Moi de même. Ce que nous savons au sujet de l'Atlantide vient donc de Platon. Oui, c'est Platon qui nous l'a enseigné, à travers deux de ses dialogues, le Timée et le Critias. Tout ce qu'on a pu écrire postérieurement à ce sujet relève de la pure fiction. D'accord. L'histoire initiale, c'est à Platon qu'on la doit, et c'est notre seule et unique source. Et ces deux dialogues ont été écrits. Tout ce qu'il reste désormais de l'Académie de Platon sont ces quelques vestiges de murs d'enceinte. En revanche, ces écrits, qui représentent des milliers de pages, subsistent encore à ce jour. C'est dans les dialogues du Timée et du Critias que Platon mentionna pour la première fois l'Atlantide. Par le biais de Critias, l'un des personnages qui assurait que cette histoire était vraie, malgré son caractère incroyable. Il rapporta qu'il l'avait entendue pour la première fois lorsqu'il était enfant, en écoutant une histoire racontée par son grand-père, qui lui-même jura qu'elle était vraie. Le grand-père de Critias affirma qu'elle lui fut transmise par Solon, le célèbre législateur athénien, et qu'elle relatait un événement important qui avait eu lieu 9000 ans auparavant. Platon s'attache à une description très détaillée de l'Atlantide. C'est en puisant dans ces détails qu'Anthony Kontaratos a dressé une liste de critères capables de l'identifier de façon formelle. Commençons par les faits. Qu'est-ce que Platon nous apprend au sujet de l'Atlantide ? Selon les indications de Platon, elle était située au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui correspondait dans l'Antiquité au détroit de Gibraltar. C'est discutable. C'est également discutable, je vous le concède. Certains situent les colonnes d'Hercule en Italie, d'autres en Grèce. Chacun a son avis sur la question. Oui, il n'indique pas une zone précise, il donne plutôt une vague indication. Platon décrit la topographie de l'Atlantide et précise qu'elle était érigée en enceinte circulaire, elle-même entourée de canaux. Il fait donc une description physique de la taille de l'île. Il décrit sa topographie ainsi que sa métropole. Il décrit la métropole et le temple de Poséidon, situé au centre de l'île. La liste d'Anthony Kontaratos énumère bien d'autres critères puisés dans les dialogues de Platon. La métropole était située sur une plaine côtière orientée vers le sud. Elle était suffisamment proche d'Athènes pour que les deux nations se soient livrées une guerre par voie maritime. Des ponts et des canaux reliaient les différentes sections de la cité. Sur l'île centrale s'élevait une colline sur laquelle était érigée une gigantesque acropole. Quels sont les indices que nous possédons ? Nous ne pouvons nous en remettre qu'à Platon en ce qui concerne les éléments en notre possession et à personne d'autre. Donc si on décide de s'en tenir à ce qu'il nous décrit, nous parvenons à dresser un certain nombre de critères que nous devons prendre en compte. Tous ceux d'entre nous qui se sont penchés sur la question se doivent de respecter ces critères. Ma quête de l'Atlantide ne s'arrête pas là. Même si le nombre d'indices que nous a livré Platon est limité, il y a un nombre infini d'interprétations. Je connais quelqu'un qui a une théorie personnelle à ce sujet, et son interprétation l'a mené à croire qu'on a découvert le continent perdu. Cela mérite de s'y intéresser. Notre expédition inédite à la recherche de la vérité débute ici, sur l'île de Chypre, à l'est de la Méditerranée. Très bien, allez, on soulève. Nous sommes dans le port de Limassol, sur la côte au sud de l'île, au cœur du quartier des docks où s'affaire la société de remorquage et de sauvetage. Voici le DT Argonaut. Il s'agit à l'origine d'un navire de sauvetage, mais nous l'avons modernisé en vue de notre expédition spéciale pour retrouver l'Atlantide. Comme pour toute expédition, notre première étape consiste à préparer l'équipement. Vous pensez qu'il va pouvoir descendre directement ? C'est un travail faramineux. Des dizaines de membres de l'équipage s'activent autour du bateau afin de l'équiper pour le départ. Et toutes ces activités ont été supervisées par Robert Sarmast, le chef d'expédition. Bonjour. Ça va ? Ravi de vous voir. C'est un grand moment. C'est un très grand moment. Tout ce matériel est indispensable pour notre mission. Absolument. Nous avons près de 6,5 km de câbles. Nous allons explorer les fonds marins à 1,5 km de profondeur à l'aide du meilleur équipement qui existe. La plupart du matériel a été spécialement transporté ici pour la mission. Où trouve-t-on une machine comme celle-ci ? Il n'y en a pas dans l'est de la Méditerranée et on l'a fait venir d'Écosse.
C'est un équipement rare. On n'en compte que quelques exemplaires à travers le monde. Il va nous être utile, c'est certain. Parfait. On le charge ? Très bien. On le soulève et on le charge sur le bateau. Dans un instant, nous achevons les préparatifs avant d'appareiller pour un voyage qui s'annonce historique. C'est vraiment magnifique. Et Robert m'explique en détail pourquoi il est convaincu d'avoir enfin trouvé la légendaire Atlantide. Je suis sur le point de m'embarquer pour une mission hors du commun. À la recherche de la vérité, a organisé une expédition scientifiquement très poussée pour retrouver le continent englouti de l'Atlantide. Robert Sarmast, le chef d'expédition, travaille sur ce projet depuis près de 15 ans. Maintenant, nous ne sommes plus qu'à quelques jours du départ. En quittant le port de Limassol à Chypre, nous mettrons le cap à l'est de la Méditerranée vers une destination située à seulement 43 milles de la côte syrienne. C'est à cet endroit précis que Robert est convaincu d'avoir localisé la métropole de cette ancienne civilisation disparue. Si tout le monde a l'air de s'activer ici, c'est parce qu'il y a beaucoup à faire. Dès que nous poserons le pied sur le bateau, il sera à nous. L'affrètement a commencé, nous avons 24 heures pour achever tous les préparatifs avant d'appareiller. En raison de la haute saison et de la disponibilité réduite des navires adaptés, nous ne disposons que de 72 heures en tout pour effectuer notre mission. Et le compte à rebours a déjà commencé. Chaque détail est minutieusement orchestré. C'est un véritable travail d'équipe. Le matériel est chargé et apprêté aussi vite que les règles de sécurité nous le permettent. Le moindre retard empiéterait sur notre temps de recherche. Alors que les préparatifs avancent de bon train, je m'assois avec Robert pour discuter avec lui des raisons qui le poussent à croire en sa découverte. Vous avez l'air si convaincu d'avoir trouvé l'Atlantide. J'en suis absolument persuadé. J'ai étudié le monde antique et l'Atlantide a réellement existé. Et si on tentait de vous convaincre que l'Atlantide n'a jamais existé, que vous perdez votre temps, votre énergie et votre argent, et que tout cela n'est qu'une légende? Non, c'est impossible. Si on connaît suffisamment l'histoire antique... La fascination de Robert pour l'Atlantide a débuté il y a 20 ans, lorsqu'il commença à développer un intérêt pour les mythologies du monde. Il fut particulièrement frappé par les similitudes qui existaient à travers les différents récits du déluge dans les cultures du Proche-Orient. La Bible relate l'histoire de Noé, les anciens Sumériens, celle de l'épopée de Gilgamesh, et Platon, la légende de l'Atlantide. C'est facile de réfuter purement et simplement l'existence de l'Atlantide, mais lorsqu'on effectue des recherches, on s'aperçoit que c'est sans doute plus qu'un mythe. Il s'est forcément passé quelque chose. Nous avons une description détaillée de cette île. Pourquoi ne pas partir à sa recherche ? En 1999, Robert commença à explorer une zone dans la mer Méditerranée qui correspondait aux critères géologiques de Platon. Celui-ci décrivait la surface de l'Atlantide comme « unie et régulière », avec des dimensions très précises, 143 km sur 215. La métropole était exposée au midi et à l'abri des vents du nord, grâce aux montagnes. Robert dispose d'un modèle informatique de la topographie méditerranéenne lui permettant de diminuer le niveau de la mer par incrément. En abaissant le niveau de 1600 mètres, il découvrit au fond de la mer une plaine située entre Chypre et la Syrie qui, selon lui, correspond à la description de Platon. Son objectif désormais est d'aller examiner de près un point précis dans cette zone qui pourrait révéler l'emplacement de l'Atlantide. Il organisa une première expédition sur ce site en 2004. Le 8 novembre, nous mettrons le cap sur l'Atlantide. À l'aide d'un sonar latéral, il effectua une étude de la zone. Son but était d'obtenir le plus de précision possible sur ce qu'il considérait comme la plaine submergée de l'Atlantide. Regardez, c'est incroyable. Ce qu'il découvrit ne fit que renforcer sa conviction. C'est vraiment formidable. L'analyse des ondes sonars mirent en évidence d'étranges aspérités, présentant des angles à 90 degrés. Il était convaincu qu'il avait devant lui les parapets des canaux de la ville décrits par Platon. Robert considère que les dimensions correspondent parfaitement à la description du philosophe. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Cette vallée est la grande plaine rectangulaire de l'Atlantide. J'en suis persuadé. Nous devons utiliser la meilleure technologie à notre disposition pour confirmer la preuve irréfutable de notre découverte.
Robert est convaincu qu'il dispose à ce jour de la preuve la plus probante indiquant l'emplacement de l'Atlantide. Aussi, nous allons faire appel à la technologie la plus avancée dans ce domaine pour mettre sa théorie à l'épreuve sur le site. Je vais vous présenter ce qui est sans doute l'élément le plus important de notre équipe. Le poisson, ou transducteur, qui sera les yeux et les oreilles de notre mission. Cette capsule renferme un sonar latéral ainsi qu'un profileur sous-marin qui vont être chargés à bord. Il sera immergé à 1600 mètres de profondeur et à 4 km derrière le bateau. Les profileurs sous-marins sont d'ordinaire utilisés dans l'industrie pétrolière afin de repérer de nouveaux points de forage. Mais pour nous, cet appareil fera office d'archéologue à distance. Le profileur utilise un sonar pour infiltrer la vase et la roche, tout en transmettant les données au navire en temps réel. Nous serons donc en mesure d'affirmer presque instantanément si l'aspérité qui a été découverte par Robert est un banal phénomène d'origine géologique ou s'il s'agit au contraire de ruines immergées. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Voici ce qui relie le transducteur au bateau, des kilomètres et des kilomètres de câbles, permettant d'envoyer des informations électroniques grâce à un cordon coaxial qui va capter les données du fond marin avant de les transmettre aux ordinateurs de bord. Les préparatifs touchant à leur fin, je décide de faire le tour de notre demeure pour les prochaines 48 heures. Et j'en profite pour aller saluer le capitaine. Bonjour, entrez donc, bienvenue sur la passerelle. Le contre-amiral Robert Bates, dit capitaine Bob, est notre conseiller maritime et nautique. Il fait partie intégrante de l'équipe de Robert Sarmast depuis les 5 dernières années. Comme vous le voyez, ceci est le port de Limassol. C'est au capitaine de s'assurer que le navire garde le transducteur sur le cap qui a été fixé. En raison de notre temps très limité en mer, nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Quand vous aspiriez à devenir un maître des mers, vous aviez songé que vous partiriez un jour à la recherche de l'Atlantide ? Non, pas une seule seconde. Et maintenant, vous devez vous faire à l'idée que nous nous lançons dans une quête historique. Pour moi, c'est quelque chose de véritablement exaltant. C'est le projet qui va couronner mes 50 ans de carrière au service de la marine. Et je sais maintenant que tout ce que j'ai accompli durant ces longues années est allé dans ce sens, pour aboutir à un tel événement. Soyons réalistes quant à nos attentes. On ignore ce qu'on va trouver. Moi, je le sais. Après 24 heures d'activité frénétique, les préparatifs en vue de notre départ sont enfin achevés. Il est temps de hisser les drapeaux pour célébrer ce grand moment de joie qui marque officiellement le début de l'expédition Atlantide 2006. Pour Robert Sarmast, ces deux prochains jours seront la consécration de longues années de recherche. Qu'est-ce que vous ressentez en hissant ces drapeaux après toutes ces années de travail ? Un sentiment merveilleux. Ah oui ? Oui, vous ne pouvez même pas imaginer. Depuis combien de temps on attend ce moment ? Depuis 15 ans environ. 15 ans. À peu près. Dans un instant, notre mission à la recherche de l'Atlantide va prendre le cap de la haute mer. Mais pour l'heure, une théorie alternative m'emmène à voyager au cœur d'un volcan. J'espère qu'il ne va pas entrer en éruption. Je suis allé aux Bahamas pour enquêter sur la théorie selon laquelle l'archipel pourrait renfermer les vestiges de l'Atlantide. Mais je n'ai trouvé aucune preuve concluante permettant de soutenir cette thèse. Je retourne alors de l'autre côté de l'Atlantique, en Méditerranée, pour m'embarquer dans une expédition tout à fait inédite, afin de vérifier la théorie de Robert Sarmast, selon laquelle les vestiges de l'Atlantide reposeraient à 1600 mètres sous l'eau, au large de Chypre et de la Syrie. Mais avant de retourner à Chypre en vue de l'expédition, je décide d'aller enquêter sur d'autres théories. Je me rends dans l'archipel de Santorin, situé à environ 75 km au sud-est de la Grèce continentale. Santorin abrite un volcan qui, dans l'Antiquité, a dévasté la population de l'île, tout comme Platon a relaté la destruction de l'Atlantide dans ses écrits. Nous sommes dans le village de Phira, qui, comme vous le voyez, est perché sur les flancs d'une immense falaise abrupte. Il s'agit en réalité d'une caldeira, une vaste dépression d'origine volcanique. Certains pensent que cet ancien volcan en question est lié à la légende de l'Atlantide.
Platon rapporta que l'Atlantide était composée de zones alternées de canaux et de terres de différentes tailles, disposées en enceinte circulaire. L'archipel actuel de Santorin présente la même configuration. Le pourtour de la caldeira forme une immense baie, au milieu de laquelle se trouve un îlot qui a pour nom Neakameni. Mais à première vue, cette île semble bien trop petite pour être l'Atlantide de Platon. Afin de comprendre pourquoi certains la considèrent comme l'emplacement de la civilisation engloutie, j'ai rendez-vous avec le professeur Kostas Sinolakis de l'Université de Californie du Sud. Comme je vous l'ai expliqué, j'étudie l'analogie qui existe entre l'Atlantide décrite par Platon et l'archipel de Santorin, anciennement appelé Terra. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de ces similitudes ? Un grand nombre de scientifiques considèrent que si l'Atlantide a réellement existé, cet endroit en est l'emplacement le plus vraisemblable. Tout près du centre de l'archipel, il y avait jadis une île totalement différente de celle qui s'y trouve actuellement. Elle était beaucoup plus grande et de forme circulaire. Ce que vous voyez là, c'est la caldeira qui s'est élargie suite à l'éruption volcanique. Autrefois, cet endroit avait donc une configuration circulaire avec une île au centre entourée d'eau, puis un autre pan de terre. Oui, et tout a été littéralement pulvérisé. L'aspect géologique correspond donc à la description, mais qu'en est-il de l'époque? À quand remonte l'éruption volcanique? Nous situons la date de l'éruption entre 1620 et 1550 avant notre ère, et actuellement, de nombreux travaux de recherche sont engagés. Elle aurait donc eu lieu 8000 ans après la date de la destruction de l'Atlantide, selon Platon. Ce qui signifie que cet archipel ne peut pas être le continent disparu. En tout cas, pas au sens littéral du terme. Car Kostas m'explique qu'hormis sa date de destruction, ce lieu répond étonnamment aux autres critères de Platon. Cela mérite une étude plus approfondie. Si l'Atlantide de Platon a réellement existé, c'est ici qu'elle se trouvait. Nous nous rendons au centre de la baie, afin de voir quels éléments l'île de Neakameni pourra nous fournir. Neakameni signifie « jeune brûlé » en raison de l'activité volcanique qui a créé cette île. Sur le trajet, nous contournons les flancs escarpés de la caldeira. Platon écrivit que les couleurs de l'Atlantide étaient le rouge, le noir et le blanc. Et ce n'est pas ce qui manque ici. Kostas m'indique que les roches volcaniques sont généralement dans ces tons. Platon précisait qu'il y avait aussi des sources chaudes, ce qui est également révélateur d'une activité volcanique. Neakameni est une île de formation très récente. Elle est apparue à la surface il y a seulement 300 ans. Nous nous rendons directement au cratère au centre du volcan. Regardez de ce côté. Il y a deux cheminées de soufre à gauche et à droite. Et regardez ce qui s'en échappe, de la fumée. Ce volcan est toujours actif? C'est un volcan qui est très actif. Et de l'autre côté, il ne va pas entrer en éruption. Pas aujourd'hui en tout cas. Neakameni est une île qui est toujours en formation et qui finira par être elle-même détruite au cours d'une éruption, répétant ainsi un phénomène qui s'est produit de nombreuses fois au cours de ces derniers millions d'années. Toutefois, il y a 4000 ans, l'île qui se trouvait ici était bien différente de celle que nous avons devant nous aujourd'hui. Elle était considérablement plus grande et s'étendait quasiment jusqu'au bord de la caldeira. Elle était luxuriante, fertile et abritée par une baie qui faisait vivre une ville prospère avec un port à l'activité florissante. C'était également une plaque tournante du commerce et de la politique en Méditerranée. Imaginez qu'avant l'éruption, l'île dans son ancienne configuration était bien plus grande et plus proche des flancs du volcan. Ces derniers constituaient une sorte d'immense brise-lame, protégeant ainsi cette île parfaite. Pour la population, c'était un bout de terre à la forme miraculeuse qui faisait de ce lieu le plus grand port de la Méditerranée. Absolument. Mais d'un point de vue géologique, c'était une bombe à retardement. Oui, et finalement, elle a explosé. Tout a disparu.
L'éruption volcanique a totalement rayé de la carte l'île qui se trouvait ici, au cœur de la baie. Toutes les habitations qui existaient en périphérie ont été ensevelies sous plus de 30 mètres de cendres volcaniques. Mais la civilisation qui avait bâti cette société idéale n'a pas totalement disparu. Pour avoir une meilleure idée de ce qu'était la vie à Terra, Costas me conseille de me rendre dans la patrie des Minoens, le peuple qui vivait ici. Ce lieu est la Crète, située à seulement 100 km au sud de Santorin. En général, on prend le ferry pour se rendre en Crète. Moi, j'ai trouvé mieux. Le palais de Knossos est le vestige de la civilisation minoenne le mieux préservé. C'est également le lieu qui nous donnera le meilleur aperçu de ce que devait être la ville au centre de Terra, avant l'éruption volcanique. Colin MacDonald, l'ancien conservateur du site, me fait visiter les lieux. Je veux savoir quelles sont les similitudes éventuelles entre la civilisation minoenne et celle de l'Atlantide que Platon a décrite. Platon décrivait une nation très avancée qui possédait l'eau courante, chaude et froide. Ici à Knossos, Colin me montre quelque chose qui s'y rapporte de manière tout à fait étonnante. Les canalisations en terre cuite se trouvent en dessous dans cette fosse. Comme vous le voyez, ce sont des sections individuelles qui ont été emboîtées les unes dans les autres et elles pouvaient aller dans les coins. Comme elles vont en rétrécissant, cela augmentait la pression de l'eau. Oui, c'est également vrai. C'est l'équivalent antique de la plomberie d'intérieur. Et cet élément semble correspondre parfaitement aux descriptions que Platon fit de l'Atlantide. Pour la période préhistorique, c'est quelque chose de vraiment unique. Incroyable. Allez, reposons la grille. Je suis également intéressé par les fresques de taureaux sur les murs du palais. Platon écrivit que le peuple de l'Atlantide vénérait les taureaux dont certains vivaient en liberté dans le temple de Poséidon. Nous sommes devant la grande fresque à relief du taureau, située à l'entrée nord du palais de Knossos. L'image du taureau dans la civilisation minoenne est très intéressante, car on la retrouve ailleurs, notamment dans la magnifique fresque représentant un jeu, où des jeunes gens et des jeunes femmes sautent par-dessus un taureau bondissant. Je trouve très intéressant le parallèle entre la civilisation minoenne qui vénérait les taureaux, ou en tout cas dans l'iconographie qu'ils en ont fait et que l'on trouve ici, et ce que Platon a écrit au sujet de l'Atlantide. Oui, le fait que l'on retrouve le taureau dans les deux cultures est très intéressant. Mais il faut rappeler que le taureau est également sacré et important pour d'autres peuples. D'ailleurs, on le retrouve dans pratiquement toutes les cultures du Proche-Orient à cette même époque. La similitude n'est pas aussi importante que je le croyais. Elle n'est pas aussi caractéristique. D'accord. Vous pensez donc qu'en tant que conteur, Platon a essayé de placer son histoire dans une époque et un contexte du genre « il y a très longtemps dans une lointaine galaxie » et il est remonté ainsi à 9000 ans. C'est une manière d'étoffer son histoire. Oui, il voulait s'inspirer d'une époque très ancienne et il a immédiatement pensé au taureau. Sûrement. Colin estime que les Minoens ont pu inspirer à Platon des détails pour son histoire qui peuvent sembler authentiques. Mais les Minoens ne sont pas pour autant le peuple de l'Atlantide. Pourtant, cela m'intrigue. Les fresques découvertes à Knossos dépeignent les scènes d'une société qui paraît aussi idyllique que l'Atlantide. Et en outre, tous les éléments semblent concorder, à l'exception de la date de destruction. Le cataclysme aurait eu lieu 900 ans avant Solon, et non 9000 comme Platon le rapporte dans ses écrits. Or, il existe une théorie intéressante qui pourrait expliquer ces divergences. Platon écrivit que l'histoire de l'Atlantide venait à l'origine des Égyptiens. Il l'aurait raconté à Solon l'érudit lorsque ce dernier se rendit en Égypte pour visiter un temple environ 300 ans avant l'époque de Platon. À cette époque, les Égyptiens raisonnaient en termes de mois lunaires pour évaluer le temps, et pas seulement en années solaires. Il se peut donc qu'une banale erreur de traduction se soit glissée dans le récit.
Les Égyptiens faisaient peut-être référence à un événement qui s'était produit 9000 mois et non 9000 ans auparavant. Si tel était le cas, cela placerait la destruction de l'Atlantide à la même époque environ que le cataclysme de Terra. L'hypothèse selon laquelle Terra aurait pu être l'Atlantide serait donc tout à fait plausible, si on écarte une légère erreur de traduction. Mais ce n'est pas un compromis que Robert Sarmast est prêt à envisager. Notre chef d'expédition est convaincu que les écrits de Platon sont rigoureusement vrais. Et que c'est uniquement en suivant ces inscriptions à la lettre que l'on parviendra à localiser l'Atlantide. À Chypre, dans le port de Limassol, les préparatifs de l'EDT Argonautes sont achevés. On a largué les amarres et nous mettons le cap sur la haute mer. Voici le bout de la jetée qui marque la sortie du port. Au-delà de cette limite, c'est la pleine mer. Prochaine escale, l'Atlantide. À suivre, nous mettons le poisson à l'eau. C'est pas vrai. Quand soudain surgissent des visiteurs venus d'une zone au bord de la guerre. Depuis 26 heures, à la recherche de la vérité, consacre une émission spéciale à une expédition qui tente de localiser l'Atlantide. Ce qui signifie qu'il ne nous reste plus que 46 heures avant notre retour au port. On est en mer, on vient de quitter le port de Limassol. On fait cap vers l'est, le long des côtes sud de Chypre. Il faut compter 11 heures de navigation. Nous nous dirigeons vers un point précis qui se trouve à 60 milles de Chypre et à 40 milles à l'ouest de la Syrie. Avec une vitesse maximale de 9 nœuds, il faut compter 11 heures pour atteindre notre objectif. Une fois arrivés, nous n'aurons plus que 24 heures pour réaliser l'étude scientifique. Tout à coup, un événement intéressant se produit. Pendant que Robert et moi discutons sur le pont, nous recevons une visite inattendue. C'est pas vrai. On se trouve dans une zone militaire sensible. Il y a la Syrie, le Liban, Chypre. Ce sont des eaux internationales. Mais notre bateau est important et on n'en voit pas beaucoup ici. L'expédition a commencé peu après l'invasion du Liban par l'armée israélienne durant l'été 2006. Nous nous trouvons non loin de l'endroit où Israël maintient un blocus militaire et nous attirons l'attention. C'est la marine britannique. C'est sûr que notre position actuelle éveille la curiosité. Il y a des intérêts militaires ici. On dirait qu'on a réussi l'examen de passage. Wow, c'est ça! Après une aimable révérence britannique, l'hélicoptère disparaît et nous poursuivons notre expédition. C'était vraiment cool. Oui. Nous avons un peu de temps devant nous avant d'atteindre le site. J'en profite pour rendre visite au conseiller technique de Robert dans la salle de contrôle. Patrick Lowry est géologue et président d'une société de conseil auprès des industries d'extraction de ressources naturelles. Il passe la majeure partie de son temps à surveiller les mers à la recherche de pétrole. Mais depuis 7 ans, il assiste Robert dans ses recherches. Robert avait un certain nombre de données sur les fonds marins de cette partie de la Méditerranée, mais il fallait traiter. Avec ces données, je n'ai rien vu. Il n'y avait rien qui pouvait suggérer quoi que ce soit. Mais Robert était persuadé qu'il y avait quelque chose qu'on ne peut pas voir du premier coup d'œil. Il s'intéresse à un plateau sous-marin au centre d'une large plaine rectangulaire, qui serait selon lui la plaine de l'Atlantide. Pour lui, ce plateau est le centre de la cité de l'Atlantide, sur lequel l'acropole et le temple de Poséidon auraient été construits. Pour Patrick, cette partie plus élevée n'avait rien de particulier. Mais un jour, il a eu l'occasion de voir un scanner haute définition du fond marin, réalisé pour un projet français d'exploitation pétrolière.
Quand les Français m'ont transmis ces données, j'ai vu pour la première fois que cet endroit avait des caractéristiques uniques et très différentes par rapport au milieu marin. Je suis géologue et mon travail consiste à expliquer les phénomènes naturels. Mais en voyant les caractéristiques de ces arêtes, j'ai été obligé de dire à Robert qu'elles étaient trop régulières pour être naturelles. Et en se basant sur votre expertise, pour vous, il s'agirait d'une anomalie. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Oui. Même sur cette image qu'on a obtenue à partir de données incomplètes, on peut voir la régularité de cette bande. Robert pense que ces murs sont les vestiges du canal dont parle Platon. On voit que c'est à peu près la même hauteur et la même largeur sur toute la longueur. Et ensuite, il y a une sorte de retour en angle droit. On voit partir ici, du contrefort, une ligne qui est difficile à expliquer d'un point de vue géologique. Il faut se demander quel est le processus naturel capable de réaliser des formes aussi régulières. Vous n'avez jamais rien vu de semblable? Non, et il n'y a rien de semblable dans les environs. Le plus important maintenant, c'est de recueillir des images qui vont peut-être confirmer la cause géologique. Et dans ce cas, je pense qu'on sera clairement fixé. Dans l'autre cas, nous verrons peut-être que ces arêtes sont composées de blocs de pierre, par exemple. Ce qui voudra dire que des hommes ont construit ces murs. Ça va être passionnant. C'est ce qu'on va voir. En effet, le suspense sera très important. Ça mérite qu'on aille voir de plus près. Aller voir de plus près, c'est le travail de notre profileur sous-marin. Il sera remorqué à seulement quelques mètres au-dessus de ces mystérieuses arêtes. Le sonar émettra des ondes très puissantes qui pénétreront dans le sol jusqu'à 46 mètres de profondeur. Via une ligne coaxiale de plusieurs centaines de mètres de long, les signaux reçus seront envoyés dans la salle de contrôle où Patrick analysera les données. Les premières informations seront déterminantes. Les chances de passer au-dessus des murs et d'obtenir des relevés sont minces. Peu avant d'atteindre le site, Robert organise une réunion d'équipe et réexplique le déroulement des opérations. Voilà, on a ici ce qui semble être le plateau de l'Acropole. C'est dans cette zone que nous allons faire les principaux relevés. Ce qui nous intéresse avant tout est le mur principal, ici. Le mur secondaire, ce canal, et aussi le sommet du plateau. La première étape est de savoir quelles sont les informations à relever par le profileur sous-marin et le sonar à balayage latéral, communément appelé poisson remorqué. On décide d'obtenir une coupe transversale des murs plutôt que d'essayer d'aller se faufiler à l'intérieur. Recueillir les données sera un moment critique et on veut être sûr de ne pas rater notre objectif. Si c'est une structure en dur qui a la forme de deux murs ou de quelque chose dans ce genre, alors ce sera une preuve. Une preuve. C'est ce que nous attendons tous. Tout le monde est très nerveux et la tension est presque palpable. Chacun espère rentrer avec un résultat décisif. Je suis un optimiste et un rêveur et j'espère que ça va marcher. Mais je veux vraiment être sûr, à cause du travail fourni par l'équipe et l'argent et le temps investi dans cette expédition, qu'on aboutisse à un résultat concluant, que la conclusion penche plutôt du côté de la construction humaine ou non. S'il y a quelque chose de dur là-dessous, on le saura très vite, on le verra. Et si c'est organisé d'une manière ou d'une autre, si ce sont des ruines, ce sera très clair. La réunion se prolonge tard dans la nuit. Mais on ne pourra pas savoir ce qu'il y a là-dessous avant d'avoir mis le profileur sous-marin à l'eau. Nous allons arriver sur le site dans quelques heures. Il ne reste plus à attendre très longtemps. Bonjour. Comme il fait encore nuit, vous ne pouvez pas savoir qu'il est 5h15 du matin et que nous approchons de l'objectif. Les derniers préparatifs sont en cours et avant de mettre le poisson remorqué à la mer, on doit savoir quelle est la profondeur de l'eau. À tribord, l'équipe est en train de faire des mesures grâce à une jauge de profondeur très performante. C'est une sonde à ultrasons très précise. Il faut éviter que le poisson ne heurte le fond. Quand on aura les informations, on fera un passage au-dessus de la zone stratégique. Après les derniers préparatifs, notre poisson remorqué est finalement prêt pour aller sonder le fond marin. On prépare le poisson pour l'immersion.
Ça vous fait quoi? C'est super. Ouais. C'est l'heure de vérité. La prochaine fois que vous verrez le poisson, on saura beaucoup de choses sur ce qu'il y a là-dessous. C'est vrai. Bonne chance, Robert. Merci, on va rester là pour voir le déroulement. D'accord. Maintenant que le poisson remorqué est dans l'eau, il faut adapter la longueur du câble pour faire les premiers relevés. Mais très rapidement, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le ramène? D'après ce que j'ai compris, il n'y a plus de signal. Kaloum? On a déroulé 1100 mètres de câble et plus rien. Il est parti à 1100 mètres et là, sans aucune explication, plus de signal? La seule chose que nous puissions faire est de rembobiner le câble pour voir d'où vient le problème. Notre temps est compté et nous n'avions pas besoin de ça. Pendant les minutes suivantes, l'atmosphère est tendue. On ne sait absolument pas ce qui a pu se passer. Ah, le voilà. Oh, c'est pas très joli à voir. En sortant le câble de l'eau, on n'en croit pas nos yeux. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez déjà vu une chose pareille? Le câble coaxial est complètement emmêlé. Voilà pourquoi nous avons perdu la liaison avec le poisson. Cela ne fait aucun doute. Les techniciens nous disent qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Et ça risque de ralentir sérieusement l'expédition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà vu ça? Dans un instant, nous allons tenter de sauver l'expédition. Mais l'heure tourne. Je me trouve dans l'est de la Méditerranée et nous participons à la plus importante entreprise de recherche de l'Atlantide jamais réalisée. On utilise un équipement scanner ultra performant pour étudier une étrange anomalie qui se trouve à 1600 mètres de profondeur. Pour le chef d'expédition Robert Sarmast, il s'agit des vestiges du continent perdu. Mais notre temps est compté. Et juste au moment de commencer, nous serons peut-être forcés d'arrêter l'expédition. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le câble relié au poisson remorqué, qui est équipé du sonar et du profileur sous-marin, s'est complètement emmêlé. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez déjà vu une chose pareille? Le poisson est dans l'eau, on peut le voir. Il n'est pas très éloigné du bateau, mais on ne peut pas le hisser sur le pont à cause du nœud. Le nœud du câble ne peut pas passer dans la poulie. Il faut détacher le câble et trouver un moyen pour récupérer le poisson. Mais il est rempli d'eau et pèse probablement une demi-tonne. Les techniciens ne se tournent pas les pouces. Tout le monde fait de son mieux pour trouver une solution. Il nous reste moins de 24 heures avant de rentrer au port. C'est la pire chose qui pouvait nous arriver. Nous n'avons pas encore d'idée précise sur la gravité des dommages. Et il n'y a aucune garantie que nous puissions remettre le poisson dans l'eau. Notre expédition pourrait s'arrêter là. Vous avez le temps de vous faire des pop-corns. On en a pour un moment. Nous sommes peut-être sur le point de prouver l'existence de l'Atlantide telle que Platon l'avait décrite, à condition de pouvoir poursuivre les recherches. Pendant ce temps, j'aimerais vous parler d'une autre théorie. Avant de partir en mer, je suis allé dans le golfe de Corinthe, qui est une étroite portion de mer séparant la Grèce continentale occidentale et le Péloponnèse. Beaucoup de personnes pensent que Platon aurait été témoin d'événements qui se seraient produits dans sa région. Il en aurait été inspiré pour son récit sur l'Atlantide. Cette partie de la Grèce est connue pour ses activités sismiques. Pour comprendre ce qui s'est passé ici, je rencontre le professeur Ioannis Koukouvelas, qui est géologue à l'université de Patras.
On se trouve ici sur la côte nord du Péloponnèse. Mais là où il y a le golfe, cette partie-là, elle s'effondre progressivement. La côte nord du Péloponnèse et le côté opposé, eux, s'élèvent. Cette étroite bande de mer au milieu des deux structures terrestres en est le résultat. Est-ce que cette activité aurait pu être suffisamment rapide et violente pour engloutir une ville entière en très peu de temps ? Oui, bien sûr. Le processus géologique qui a créé le golfe de Corinthe a commencé il y a près de 2 millions d'années. Ioannis me dit qu'il y a ici en moyenne un tremblement de terre important tous les 125 ans. Est-ce qu'un pareil tremblement de terre aurait pu se produire à l'époque de Platon ? L'histoire géologique de cette région est littéralement inscrite dans la roche. Et sur la rive du golfe, Ioannis me montre comment la lire. Nous approchons d'une roche, d'un affleurement qui comporte différents crans, comme on peut le voir. C'est l'érosion qui a fait ce creux. Exactement. Et quand cette partie est montée, ça fait la même chose en bas? Oui. Et encore, et encore, et encore. Et encore là où je suis. Et encore ici, par exemple. Et ici, plus bas. Est-ce que cette élévation pourrait se faire en une seule nuit? Oui, en effet. Si la Terre s'élève comme ça ici, ça veut dire qu'elle s'affaisse d'autant en mer. Oui, c'est bien ça. Et à cause du tremblement de terre, nous verrions les bâtiments s'écrouler. Et en même temps, il y aurait également un tsunami qui s'abattrait sur les habitations et les détruirait. Platon dépeint la destruction de l'Atlantide exactement de cette manière. Oui, oui, c'est vrai. Ioannis m'explique que cette région est criblée de failles qui ont une activité sismique importante. Il connaît tous les textes qui parlent des activités sismiques depuis l'époque de Platon jusqu'à nos jours. Platon a pu être le témoin direct d'une telle destruction. Il existe une faille qui se trouve au fond de l'eau, dans le golfe, qui a causé un tremblement de terre en 373 avant Jésus-Christ. En 373 avant Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre? Oui, qui a détruit Élike, une ville antique. Élike. Oui, Élike. Élike était une ville célèbre et prospère située ici, à 160 km à l'ouest d'Athènes. Lors d'une nuit d'hiver en 373 avant Jésus-Christ, elle a été engloutie par la terre et recouverte par la mer. C'est la description que Platon fait de l'Atlantide. Tous les habitants auraient succombé. En un instant, ce désastre a rayé de la carte une des villes les plus importantes de la Grèce antique, quelques années avant que Platon écrive les dialogues de Timée et de Critias. Est-il possible qu'en écrivant les dialogues sur l'Atlantide, Platon pensait à la tragédie d'Élike ? Pour en savoir plus sur cette hypothèse, je rencontre le professeur Katsonopoulou, qui est la co-directrice du projet Élike. Ce site date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Une telle découverte est extrêmement rare. Dora m'emmène dans ses bureaux dans lesquels les objets trouvés lors des fouilles sont entreposés. Voilà, c'est ici que nous gardons les objets trouvés dans l'excavation. Il y a des poteries et d'autres objets. Élike a de nombreuses similitudes avec l'Atlantide. Selon les sources de l'époque, Poséidon, le dieu des mers, était l'emblème de la ville. Il figure sur une pièce de monnaie d'Élike découverte dans les environs. Il est impossible que Platon ait ignoré qu'à seulement 160 km de chez lui, une ville entière avait été anéantie dans une terrible catastrophe. Une ville qui, comme l'Atlantide, était une ardente rivale d'Athènes. Avant tout, Platon vivait quand le tremblement de terre s'est produit en 373 avant Jésus-Christ. Il a écrit les dialogues de Timée et Critias évoquant la catastrophe de l'Atlantide 10 ans après la catastrophe d'Élike. C'est très rapproché. La disparition d'Élike était une telle catastrophe qu'on en parlait probablement à Athènes. Platon n'a pas pu écrire sur la destruction d'une ville, qu'elle soit imaginaire ou réelle, sans penser à Élike. «
C'est une certitude. Quand Platon a écrit la destruction de l'Atlantide, il avait en mémoire le tremblement de terre qui a eu lieu en 373 avant Jésus-Christ dans cette région et qui a complètement détruit la ville d'Élyké et l'a effacée de la terre. Si Élyké a inspiré l'Atlantide, comme le prétend Dora, je voudrais savoir quelles sont les preuves lui permettant d'affirmer avoir retrouvé la ville engloutie. En effet, la plupart des gens pensent qu'elle se trouve au fond de la mer et la plupart des recherches se concentrent sur le golfe de Corinthe. Dora a relu un texte du géographe grec Strabon. Celui-ci avait consigné le récit de témoins ayant vu le lieu après la catastrophe. Il dit que la ville a été engloutie dans un poros. C'est un mot grec qui est le plus souvent traduit par « détroit ». C'est la raison pour laquelle tout le monde cherchait Élyké dans le golfe de Corinthe. Sous l'eau. Sous l'eau. Mais Poros ne désigne pas le golfe de Corinthe, parce que les anciens le connaissaient. Ils l'auraient nommé golfe de Corinthe. D'accord. Donc Poros signifie un étroit passage d'eau. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Il pourrait s'agir d'une lagune, c'est mon interprétation. Il pourrait s'agir d'une lagune qui s'est formée à Élyké après le tremblement de terre. Et bien sûr, cette lagune était reliée par un petit détroit à la mer. Dora pense qu'un phénomène géologique a permis la formation d'une lagune ici. Ce qui correspond à la description que fait Platon de l'Atlantide engloutie. On appelle ce phénomène la liquéfaction. La seule fois que cet étrange phénomène a pu être filmé, c'était lors d'un séisme au Japon en 1964. La pression exercée par l'effondrement des sols fait remonter l'eau sous terre et transforme les sédiments liquéfiés en sable mouvant. Les constructions s'effondrent. À Élyké, une poussée d'eau en provenance du golfe de Corinthe vers la ville qui venait de s'abaisser a fait le reste. La ville est devenue une lagune. Petit à petit, la rivière Sélinous, dont le cours se jetait dans la lagune, a rempli la ville noyée de sédiments et l'a transformée en ville enterrée. C'est une réalité. C'est une découverte. Nous l'avons trouvée. Élyké est un cas d'étude extraordinaire pour l'histoire de l'Atlantide, écrite par Platon. C'est la preuve qu'un tremblement de terre et un raz-de-marée peut faire disparaître une ville en quelques heures. Mais pour l'homme qui dirige notre expédition, l'hypothèse que l'Atlantide est un conte allégorique ne tient pas. Dans un instant, retour dans l'est de la Méditerranée, où nous essaierons de faire la vérité sur l'Atlantide. Je me trouve à l'est de la Méditerranée, entre Chypre et la Syrie, pour une émission spéciale d'À la recherche de la vérité. Vous avez déjà recherché une civilisation perdue ? Non. Nous sommes à la recherche d'indices prouvant que le continent perdu de l'Atlantide se trouve ici, à 1600 mètres sous l'eau. Nous avons emporté un sonar à balayage latéral et un profileur sous-marin très sophistiqué pour réaliser des images des fonds marins. Nous espérons trouver les restes de constructions humaines. Mais alors que nous venions juste de commencer l'opération, nous sommes tombés sur un os. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le câble coaxial qui est fixé sur le poisson et qui transmet les informations s'est dangereusement emmêlé. Si nous ne trouvons pas un moyen de résoudre ce problème, l'expédition risque de prendre fin avant même d'avoir commencé. Le plus important est de ramener le poisson remorqué au bord du bateau. On a encore 4 heures. Comme le temps nous est compté, Axel Scholler, l'un des matelots de pont, prend les choses en main. Au sens littéral. Avec ses lunettes de soudure et un équipement de plongée de secours, Axel fixe la corde sur le poisson. Une fois qu'il sera remonté, on sortira le poisson. C'est bon ? D'une seule main, je vais hisser le poisson sur le pont. Ce n'est pas possible. Avec l'eau qu'il y a dans la capsule, ça pèse probablement plusieurs centaines de kilos. C'est pourquoi on va utiliser un système de traction. Encore 6 mètres et c'est bon.
Tout le monde donne un coup de main et on réussit à hisser le poisson sur le bateau. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre le problème du câble. Les techniciens savent y faire. Ils coupent le nœud du câble coaxial et relient les deux bouts coupés. Ils sont sûrs de pouvoir faire la réparation, mais cela prend du temps. Ça y est, on est prêt. 4 heures plus tard, le poisson remorqué retourne à l'eau. Bonne chance, les gars. Tout semble normal. Mais nous avons perdu beaucoup de temps. Maintenant que le poisson est dans l'eau, il doit descendre dans les profondeurs et sonder le fond marin. Ce qui prendra encore 3 heures. Il est prévu de faire 4 passages au-dessus du site. Mais compte tenu des délais, nous aurons de la chance si nous parvenons à en faire 3. Lorsque les premières images du fond marin nous parviennent, la tension monte. On est sur la bonne voie. Excellent. Ça marche. Bien. Très bien. Le fond est à 80 mètres. Robert, vous êtes nerveux? Vous êtes à 10-15 minutes du but de toute une vie de travail? Peut-être même de la conclusion? Oh oui. Le fond commence à ressortir. Finalement, nous obtenons les premières informations. Mais ce n'est pas ce que nous attendions. C'est comme si les calculs s'étaient emmêlés. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi embrouillé. Malheureusement, on voit surtout ce qu'on appelle dans notre jargon du bruit. C'est un problème de résonance. C'est très difficile de faire la part des choses entre réalité et bruit. Selon Patrick, nous voyons surtout le bruit causé par des perturbations. Cela signifie que les informations obtenues lors de notre premier passage ne sont pas fiables. Nous avons perdu 4 heures supplémentaires et n'avons aucun résultat. En approchant de la zone, le bateau a ralenti pour que le transducteur descende parce qu'il était trop haut. Ça a créé des perturbations et le poisson s'est mis à tanguer. Pour mettre tout ça en perspective, il ne faut pas oublier que le poisson est remorqué à 3600 mètres derrière nous. C'est comme si on allait en haut d'un gratte-ciel pour attraper un tout petit objet avec une canne à pêche pendant que l'immeuble est en train de bouger. C'est pas vraiment facile. Le premier passage n'a visiblement pas été un succès. Je suppose que certains points vont être réajustés et qu'on va faire un deuxième essai. Plus facile à dire qu'à faire. Permission d'entrer? Avant de sonder la zone qui nous intéresse, le bateau doit faire une manœuvre pour se remettre en position. Cette manœuvre prendrait 3 heures, mais nous avons peu de temps. Nous sommes en train de faire cette procédure, la manœuvre de Williamson modifiée. C'est quoi cette manœuvre? La manœuvre de Williamson est utilisée pour repêcher un homme à la mer. Ça consiste à faire un cercle pour revenir exactement au point de départ. Ça ne pose pas de problème avec les 3600 mètres de câble qui sont derrière le bateau? Ça ne risque pas de secouer le poisson? Le câble est bien là, quelque part. Il faut le prendre en compte, n'est-ce pas? En fait, on a modifié la manœuvre de Williamson un tout petit peu pour que le poisson ne soit pas perdu. D'accord. Et quand il aura compris ce qu'on fait, on pourra tracer. Nous allons effectuer un deuxième passage, et l'enjeu est de taille. Il ne nous reste plus que 9 heures avant de devoir rentrer au port de Chypre. Il faut que la chance soit de notre côté. Nous y sommes. On est en train de faire la deuxième approche. Et tout se déroule très bien. Patrick et les techniciens ont tout fait pour que les problèmes du premier passage ne se reproduisent pas. Nous sommes confiants et lors de l'approche, tout le monde est sur le qui-vive. C'est passionnant. Cette fois, on devrait y être. Différentes ondes vont être utilisées. On en saura plus sur le type de sédiment et sur ses arêtes. Il est quelque part à ce niveau, juste là.
Nous attendons tous avec anxiété ce que nous allons voir. Et puis, Patrick remarque quelque chose d'encourageant sur le flanc, au-dessus des arêtes. Il y a une dépression rectangulaire qui forme une sorte de terrasse. C'est vrai, ça a la forme d'une place. On dirait même qu'il y a comme des escaliers sur le côté. Écoutez, ne nous emballons pas trop vite. Vous ne voyez personne vous faire un signe? Maintenant, c'est vous qu'il va falloir calmer, Patrick. Non, mais c'est vrai, on n'a pas l'habitude de voir une place au fond de la mer. Oui, mais vous savez, avec le temps, j'ai appris à être extrêmement prudent. Et tout le monde ici vous dira de faire attention parce que parfois on voit des choses très intéressantes vues d'en haut. Mais en faisant les superpositions en trois dimensions, ça n'a plus du tout le même aspect. Robert essaye de cacher son enthousiasme, mais personne n'est dupe. Il est au-dessus du sommet. On s'approche de la cible. Elle est à plus ou moins 400 mètres. Un édifice se trouve peut-être enfoui sous plusieurs siècles de sédiments. L'anxiété est palpable. Robert a travaillé pendant 15 ans pour voir les images qui sont sur le point de s'afficher sur l'écran. Mais alors, un incident se produit. L'ordinateur s'est éteint, sans raison, au moment le plus important. J'ai l'impression qu'on vous en veut. Qui a coupé le courant? Dans un instant, la course contre la montre continue alors que les ordinateurs redémarrent. On a encore une chance. Nous essayons de sauver l'expédition car nous voulons savoir si, oui ou non, nous avons trouvé la civilisation perdue de l'Atlantide. Depuis 3 jours, je participe à une expédition qui tente de prouver que la cité légendaire de l'Atlantide a réellement existé. L'Américain Robert Sarmast pense l'avoir localisée. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Nous avons découvert l'île de l'Atlantide et localisé l'endroit où se trouvait la cité. Nous avons quitté la côte sud de Chypre pour atteindre un point qui se trouve à 43 milles des côtes de la Syrie. Nous avons vu un signe encourageant et juste au moment d'atteindre les fameuses arêtes, un incident s'est produit. Les ordinateurs se sont éteints. On retenait tous notre respiration en regardant les images défiler sur l'écran. Quand je ne sais quelle machine s'est arrêtée et puis a redémarré. Question temps, la situation ne pourrait pas être pire. Nous n'avons aucune image acoustique, alors que beaucoup d'argent et d'énergie ont été investis. On doit y retourner et voir si on trouve quelque chose. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas qu'on sache ce qu'il y a sous les sédiments. On a le temps de faire demi-tour et de recommencer. Oui. On refait un passage. Il ne nous reste que quelques heures avant le retour au port. On a assez de temps pour faire un passage. On aura fini à 2h30. On a encore une chance. Robert a l'air détendu. Mais j'imagine ce qu'il est en train de vivre. Le capitaine Bates trace le demi-tour le plus rapide que nous puissions réaliser en toute sécurité. Robert va bientôt connaître l'issue de toutes ces années d'efforts. Il est 2h du matin. Tout le monde est épuisé. Mais nous sommes en position, prêts à faire un dernier passage. Le capitaine a fait un demi-tour en seulement 3 heures après la deuxième tentative. Et on est en train de voir ce que nous croyons être le mur, qui est le plus au nord. Cette fois, tout semble se dérouler normalement. Pour la première fois, nous voyons assez distinctement le site. Maintenant, la question est de savoir si les lignes et les points noirs qui s'affichent sur l'écran peuvent nous donner des réponses définitives. Rappelez-vous, il s'agit d'ondes acoustiques qui rebondissent en fonction des types de sédiments. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Patrick est capable de donner du sens à ce que nous voyons. Parce que pour moi, et probablement pour vous aussi, c'est juste une bosse. On ne peut pas dire que ce n'est pas naturel, mais...
Peut-être. Il y a un peut-être. Patrick voit quelque chose d'encourageant dans l'image de l'arête. Il remarque que la couche supérieure des sédiments, qui est plus sombre, est continue. Au cœur de cette arête se trouve une saillie dont le motif des couches est différent. On distingue une forme extrêmement nette à l'intérieur de cette arête. Le bord est très net. Oui, extrêmement net. C'est une saillie verticale. S'il s'agit d'une intrusion géologique, elle est très régulière, ce qui m'étonne. Oui. Imaginons qu'on presse un tube de dentifrice, la pâte sortirait par vagues. Les couches seraient irrégulières. Oui. Ça ressemble quand même à des laminations, ce qui est assez surprenant. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Patrick pense que cette protubérance dans le sédiment est trop régulière pour être naturelle. Pourrait-il s'agir des restes d'un mur de pierre ou d'un canal construit par l'homme ? Cette ligne est très nette. C'est le bord d'une saillie au cœur de l'arête. La différence de sédiment est claire. C'est peut-être un mur ou le résultat d'un phénomène géologique dynamique qui est venu par en dessous et qui a poussé les sédiments vers le haut. On voit clairement que c'est quelque chose de différent. Maintenant, il reste à faire la bonne interprétation. C'est un mur, c'est certain. On voit clairement les différences. On vient d'en faire la preuve. C'est là. Robert est absolument persuadé d'avoir trouvé la preuve. Patrick a besoin d'un peu de temps pour étudier les images avant de prononcer des conclusions définitives. Dans tous les cas, nous avons réussi à rassembler les informations dont nous avions besoin. Malgré un temps limité en mer et de sérieux problèmes de câbles et d'ordinateurs qui ont failli mettre en péril nos recherches, l'expédition est un succès, car nous avons les images des fonds marins. Alors que nous entamons notre retour au port, Patrick continue l'analyse des images. Dans un instant, nous saurons avec certitude si oui ou non, nous avons découvert la cité légendaire de l'Atlantide. Je suis allé des deux côtés de l'Atlantique pour évaluer les différentes théories sur l'Atlantide de Platon et où et quand elle aurait pu voir le jour. L'émission spéciale à la recherche de la vérité est consacrée à une expédition menée par Robert Sarmast, qui pense avoir découvert dans les profondeurs de la Méditerranée la civilisation perdue. Ce qu'on voit là est extrêmement bien défini. L'étude scientifique que nous venons de mener pourrait apporter un début de réponse à une énigme vieille de plus de 2300 ans. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé ? Et l'avons-nous découverte ? Il est 8h du matin et nous arrivons dans le port de Limassol à Chypre. Patrick Lory vient nous faire part de ses conclusions que nous attendons avec impatience. Il a comparé les coupes transversales obtenues grâce au profileur sous-marin avec les caractéristiques spécifiques de cette partie du fond marin. Après avoir minutieusement analysé les images, il vient nous communiquer le résultat. L'objectif était de se rendre sur le site pour savoir ce qui se trouvait au cœur des arêtes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pu constater que ces motifs qui suggèrent des sédiments au cœur des arêtes ne sont justement rien d'autre que des sédiments. Il s'agit des mêmes sédiments que partout ailleurs. Ah vraiment ? Donc ces crêtes, ou peu importe comment on appelle ces murs, ce sont des sédiments, rien d'autre. Les analyses de Patrick n'ont pas apporté la nouvelle que Robert espérait. Bien au contraire. L'image de l'arête comparée à celle des couches de sédiments plus profondes montre une parfaite similitude. Il s'agit simplement de déplacements sédimentaires, mais nous ne savons pas les expliquer. Au départ, tout était au même niveau. C'était plat. Et à certains endroits, c'est sorti. Et un bloc de sédiments d'une centaine de mètres de large a été poussé vers le haut à travers la roche. Oui. Et c'est ce qui compose le cœur de ces arêtes ou de ces murs. Pour répondre à l'objectif fixé, on peut dire simplement que le milieu des arêtes est l'œuvre de la nature et non pas celle de l'homme. Robert accepte la nouvelle avec philosophie et jure de continuer coûte que coûte. Je suis comme vous, je veux pouvoir apporter des preuves irréfutables. Mais en aucun cas, cette nouvelle ne remet en cause la théorie comme quoi l'île était ici. Et je continuerai à aller de l'avant. L'expédition n'a pas atteint le résultat qu'il attendait. Mais c'est la science. Elle exprime la vérité, pas les rêves. Elle est aussi le chemin de la connaissance, et je sais que Robert continuera à avancer dans ce sens. Pour moi non plus, le voyage n'est pas complètement fini.
il reste une dernière piste à explorer. Pendant le tournage de l'émission, nos producteurs ont par hasard entendu parler d'une incroyable découverte qui pourrait être une nouvelle piste. C'est la raison pour laquelle je suis retourné en Grèce, dans un petit village dont j'ai promis de taire le nom. J'ai rendez-vous avec le pharmacien du patelin. Il y a 20 ans, lors d'une pêche au harpon, il a découvert de nombreuses tuiles au fond de l'eau. Pour lui, il s'agissait des vestiges d'une ville antique. Pour ne pas risquer d'attirer les pilleurs, il a gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Giannis Raptis. Il me parle de ce jour où, il y a 20 ans, il a vu pour la première fois les ruines. Quand vous cherchez des poissons, vous ne regardez pas autour de vous. Oui, bien sûr, vous cherchez des poissons, rien d'autre. À un moment, un poisson est descendu dans une cavité. Dans une cavité? Oui, je l'ai suivi avec ma lampe et j'ai regardé autour de moi et... Et vous avez vu des tuiles? Oui, j'ai vu des tuiles. Donc il y a 20 ans, vous trouvez des tuiles et vous ne dites rien. Vous n'en parlez à personne. C'est dingue. Je sais. Et personne n'a jamais découvert cet endroit. Il n'y a jamais eu de fouille, à part vous, personne n'a jamais exploré cet endroit. C'est ça. Quand vous faites de la plongée là-bas, vous ressentez quelque chose de spécial? Oui, de très spécial. Ah oui? C'est unique. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ce type de tuile, dans aucun musée, dans aucune mer dans laquelle j'ai plongé. C'est pourquoi je pense que ces vestiges sont uniques. Je pense qu'il s'agit de l'Atlantide. Vous pensez que c'est l'Atlantide? Oui. La célèbre Atlantide dont parle Platon. Mais oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, d'accord. Ne le dites à personne, mais on l'a peut-être trouvé là. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un canular, mais je suis quand même intrigué. Personne d'autre que Giannis ne connaît l'emplacement du site. Aucun archéologue ne l'a jamais visité. Nous allons être les premiers étrangers à voir ce qui se trouve là-bas. Mais nous avons dû promettre de garder l'endroit secret. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Giannis le lendemain matin. Prêt à plonger? Oui. Ça va être super. L'endroit où nous allons est depuis peu accessible à la plongée de loisirs. Je suis un super-héros. Les pêcheurs du coin ont raconté à Giannis qu'ils l'évitaient parce que leur filet restait souvent coincé dans les rochers. L'un d'eux aurait même affirmé avoir pêché une statue avant de la remettre à l'eau pour ne pas attirer l'attention. Une cité immergée, des tuiles de maison, des statues... Ça promet. Dans une mer chaude, à 15 mètres de profondeur, on commence à apercevoir les premières tuiles. Gardez les yeux ouverts, regardez, il y en a une ici, il y en a partout. D'après Giannis, il y en a partout, éparpillés sur la butte. Comme si un bâtiment s'était écroulé. Vous voyez cette forme? Ça ressemble tout à fait aux tuiles de maison. Une autre tuile pourrait se mettre comme ceci par-dessus, comme pour les toits espagnols. Il y en a encore une ici, et une autre là-bas. Il y en a partout. Giannis m'en montre plusieurs, qui sont noires comme celle-ci. Il pense que c'est peut-être à cause d'un incendie. Évidemment, ce que nous voyons ici n'est pas l'œuvre de la nature. C'est une sensation étrange de planer au-dessus de ces ruines. Les formes des rochers sont surprenantes. Elles sont architecturales. Peut-être des marches. Mais je suis incapable de me prononcer. Est-ce qu'il s'agit d'une cité oubliée, disparue? Ou simplement de l'épave d'un navire. Je me demande si ce n'est pas un morceau de gouttière. Peu importe, cet endroit mérite qu'on y fasse de minutieuses fouilles archéologiques.
Je ne peux pas contempler ces ruines endormies sans penser aux mots de Platon. En un seul jour et une seule nuit de malheur, toute votre armée fut d'un seul coup engloutie dans la terre. Et l'île Atlantide, de la même manière, disparut dans les profondeurs de la mer. De toutes mes découvertes, cette butte sous-marine jonchée de tuiles de maison est l'une des plus exaltantes. Je n'ai pas trouvé l'Atlantide de Platon. Mais après avoir voyagé des Bahamas à Santorin, du golfe de Corinthe jusque dans l'est de la Méditerranée, je me suis forgé ma propre opinion. Peut-être que l'Atlantide est partout à la fois. De nouvelles théories verront encore le jour, ainsi que de nouvelles découvertes. La mer abrite ses secrets qu'elle livre peu à peu, comme une promesse. C'est pourquoi la quête de l'Atlantide n'aura jamais de cesse.